Bonjour, forêt de Juigné-les-Moutiers, site de reproduction des grenouilles rousses. Pulséo s'intéresse aujourd'hui à ces amphibiens de plus en plus rares sur le département. Les grenouilles rousses en zone humide peuvent pondre jusqu'à 4000 œufs. Rencontre avec un spécialiste, Michel Dunet. On peut identifier que ça, c'est des grenouilles rousses. Parce que la caractéristique, c'est, tu vois, elles pondent en masse, en masse agglutinée les unes aux autres. Une ponte de la nuit. Celle-ci, par exemple, la masse gélatineuse est un peu plus importante et un peu plus colorée. La masse gélatineuse a pris un petit peu la couleur du terrain. Elle est un petit peu jaunâtre, alors que celle-ci, si tu veux, est complètement transparente. Est-ce qu'un animal ne fait qu'un seul amas ou peut en faire plusieurs ? J'aurais tendance à penser qu'il en fait plusieurs. Quand on les voit, tu vois, agglutinés comme ça, et peut, bon, sur une contraction, expulser une boule, alors qui est comme ça, beaucoup plus petite au sortir du cloaque. Après, elle gonfle. Hein, et il est impossible, évidemment, que son ventre, qu'elle ait, par la grosseur, son ventre ne peut pas contenir, ça ne contient que les petits points noirs, quoi. Par le gel, elles sont un petit peu éclatées, un peu. Et on s'en aperçoit au bout de quelques jours, quand ils ont gelé, les embryons blanchissent. Et puis la masse gélatineuse a un peu éclaté aussi sous le gel. La grenouille rousse, on risque de la trouver sous les feuilles comme ça, surtout si tu veux au moment des accouplements en ce moment. Ça arrive quelquefois qu'on les trouve accouplées. Et elles sont sous l'eau, elles peuvent passer la nuit ou la journée sous l'eau. Hein. Le mâle dépose sa laitance au fur et à mesure de la ponte. Et il reste agrippé, donc il peut rester agrippé plusieurs jours sur le dos d'une femelle. Quoi. Ouais. Et quand la femelle a fini de pondre, bah, soit il est épuisé et puis bah, ça s'arrête là, soit il est encore bien vigoureux et puis il peut en féconder d'autres. Hein. On est sur les prairies humides qu'il y a en dessous de l'étang de la Bizière, entre la Boulaye et l'étang de la Bizière. Alors on a de belles zones humides, là, un peu plus froides que celles qu'on a vues. Hein, l'exposition par rapport au soleil n'est pas tout à fait la même. On voit ici davantage de gelée quand même. Hein. Là, on a un bon pourcentage, un gros pourcentage de gel. Là. Ça, c'est super à la fois pour les tritons qui vont pouvoir pondre là-dedans. Et puis après, plus tard, voilà, les grenouilles vertes vont se régaler là-dedans, quoi. Et sachez que la grenouille rousse mesure de 8 à 10 cm. Elle se nourrit d'insectes, de crustacés, mais aussi de larves et de vers. La grenouille rousse peut vivre de 6 à 10 ans.